Était bien trop sexy. Faut dire que notre ami était un peu coincé. Et qu'au moindre sourire en lui le malaise montait. Faut dire que notre ami était un peu bloqué. Et qu'au moindre regard il se sentait gêné. Charlie vers c'était la première partie. Et là si il pensait la dernière de sa vie. Charlie ne filmait pas, Charlie ne buvait pas, Charlie ne dansait pas, Charlie ne rigolait pas, je te dis. Charlie ne parlait pas, Charlie ne blaguait pas, Charlie ne riait pas, Charlie ne dépensait pas. Coincé là sur son canapé. Voilà bientôt 2 heures qu'il n'avait pas bougé. Dans un geste de courage il finit par se lever. Direction la cuisine pour se restaurer. Si notre ami était, vous l'avez remarqué, un peu comme la vertu on lui réincarné. Il avait pourtant un défaut, une embrasse en tableau. Notre homme était de nature un gourmand chevronné. Pour Charlie Day c'était la première partie. Et ainsi il pensait la dernière de sa vie. Charlie ne filmait pas, Charlie ne buvait pas, Charlie ne dansait pas, Charlie ne rigolait pas, je te dis. Charlie ne parlait pas, Charlie ne blaguait pas, Charlie ne riait pas, Charlie ne dépensait pas. Trouva un énorme gâteau qu'il engloutit d'un trait jusqu'au dernier morceau, sans même se rendre compte des ingrédients spéciaux que contenait la pâte de ce mets encore chaud. Notre ami ne se posait pas trop de questions lorsqu'en lui il sentit monter de drôles de vibrations. Devant ses yeux semblaient se définir de nouveaux horizons, comme l'impression d'entrer dans la 4e dimension. Il finit par tomber raide sur le canapé, pour quelques heures de sommeil plutôt agité. Le lendemain à peine fut-il réveillé, qu'il se jura de ne plus jamais recommencer. Une semaine après il l'avait presque oublié, lorsqu'en lui il sentit comme une remontée. De nouveaux horizons soudain se dessinaient, dans la 4e dimension il était replongé. Pour Charlie Day c'était une sacrée remontée. C'était ne jamais oublier. Pour Charlie Day c'était une sacrée remontée. Pour Charlie Day.